Hello, hello tout le monde, c'est Lynn. Et bien nous voilà de retour aujourd'hui pour un nouvel épisode de 7 Days en modé. Et on est parti aujourd'hui sur du War of the Walker. Alors on se souvient dans le dernier épisode, hein, on avait été looter ce petit magasin là-bas, on avait fini et on avait trouvé la dernière petite chose qui nous permettait de faire notre mini-bike. Donc aujourd'hui, ben vous savez quoi, on va aller le faire. Vous l'avez compris, vu mon inventaire, on va aller faire un petit tour au trader. Donc on va poser notre mini-bike. Et l'avantage, c'est que nous avons une mini-bike en tungstène. Enfin, le châssis, hein, parce que le reste... Enfin, quoique, on a une HD batterie, on a un HD small engine, on a un truc en tungstène, on a un mini-bar normal. C'est des bas niveaux, hein, mais écoutez, c'est déjà... c'est absolument ce qu'il nous faut pour commencer, c'est très bien. Alors, on a ça... On va mettre tout. On a un petit panier qui fait des bums et qui fait plaisir. Et alors, ce que j'ai fait avant la vidéo, c'est que j'ai cassé les voitures qu'il y avait ici avec notre Wrench 5 qu'on a eu. Comme ça, je suis désolée. Comme ça, j'ai récupéré de l'essence. Attends, s'il te plaît, on va faire ça ici, c'est plus facile. Comme ça, j'ai récupéré de l'essence. Elle n'est pas en très très bon état, mais c'est pas grave. J'espère que j'aurai assez d'essence pour aller ne fût-ce que jusqu'au trader. Vous savez quoi? On va reprendre la Wrench avec nous au cas où. De 20%, je sais pas combien de temps. En même temps, mon plan est aujourd'hui, on est encore jour 3. Et jour 3, je pense qu'on a encore le temps d'aller looter un dernier bâtiment avant de commencer à penser à récolter les ressources pour la base, tout ça, tout ça. Donc on va prendre la Wrench avec nous au cas où. Comme ça, on pourra casser une voiture. Voilà. Et donc, eh bien, zazons-y. Direction le trader. Alors, si je ne dis pas de bêtises, le trader, il est prochaine à droite. On sort de la ville et il est dans le vert là-bas. Hein, donc ça va. Ce qu'on fera en revenant du trader, ce sera aller visiter un peu l'autre côté de la ville. Ouais, c'est direction du bateau là-bas. Vous savez, le bateau qui va encore disparaître. Oh, attendez. Passe une gaz. Il n'y a pas des trucs à looter? Il y a toujours les trucs. Les PNJ... Non, je crois pas qu'il y a des pompes à essence, là. Et de toute façon, on n'a pas pour transformer les barils en gaz encore. Hein, donc, c'est pas vraiment ce qu'il y aura de plus important pour le moment. Alors, le trader, attendez. Je sais qu'il est du côté du bateau qui va encore disparaître. Mais où exactement? Oh, là, il n'apparaît pas. Ah, attendez, c'est pas ce trader-là qu'on doit aller voir? Oh! Attendez, on a un autre trader? Attendez, où est-ce qu'il est? Trader. Montre-moi. Oh, je peux pas le voir. Si, normalement, je peux, non? Ah, montre-moi sur la map. Oui, c'est un autre. Oh, sympa. En plus, très, très proche de chez nous. Oh, je suis désolée, j'ai des problèmes avec ma voix aujourd'hui. Ah, mais autant aller à celui-là, comme ça on va voir s'il y a autre chose. Oh, nickel. Il y a en effet bien un autre trader. Un trader apparemment dans le biome. Bah, brûlé, donc on aime assez moyennement. Il y a assez beaucoup de monde, hein, ici devant. Alors on va descendre, on va essayer de s'occuper de lui. Alors par contre, le problème que j'ai, c'est que j'ai déjà plus qu'à que 8% d'essence. Bon, on n'est pas très très loin de la maison, hein, mais oui, bon, hein, quand même, j'ai pas spécialement envie de repartir dans le biome brûlé. À pied, hein, oui, non, voilà, j'ai pas envie d'avoir tous ces gens-là sur moi, donc il va falloir régler ce problème-là assez vite. Allez, let's go. On va voir ce qu'il peut nous vendre. On va peut-être tout looter d'abord, comme ça, s'il y a des petites choses qu'on peut lui revendre, on fera d'une pierre deux coups, un barème, je peux pas le ramasser, dans la forge, est-ce qu'il y a quelque chose? Non, elle est destroy. Oh, mais il y a quelque chose, ça c'est sympathique. Ah oui, il y a tout ça ici. Oh, joli! Bon, on a un 483, mais quelque part, on pourra réparer l'arme avec quand on aura le blueprint, parce que je crois qu'on ne l'a pas. Ouais, on n'a pas le blueprint. Hein. En même temps, on est jour 3, c'est normal. Destroy, c'est dommage. Ici, dedans, il n'y aura rien. Et ici, au-dessus, il n'y a rien non plus, je pense. Hein. Non, ici, au-dessus, il n'y a rien. Alors, il y a des plants de maïs. Celui-là n'est pas mature. Ah, je pourrais pas le ramasser non plus, ah mince. On va pouvoir prendre ceux qui sont bien, hein. Voilà, donc toi non, faudra revenir pour eux. Donc il y en a 3 qu'on peut pas pick-up, mais qu'on pourra pick-up plus tard. Donc ça c'est pas mal. Bullet casing, c'est du brass, on prend. Alors, la workbench, destroy aussi, oh c'est une blague. SMN mixer, destroy.
Bon, eh bien, ça sert à quelque chose, hein, d'être dans le biome brûlé. Ça sert à quelque chose. Alors, des sites, nickel. On peut prendre. Bon, c'est pas comme ce Ravener, ça, hein, où on peut pas faire nos seeds, mais bon, c'est déjà ça de pas avoir à faire l'extra step d'en faire. Les chaises, on peut pas ramasser. Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour. Allons voir ce qui peut nous offrir de sympa. Qu'est-ce qu'on aurait besoin, en fait? On aurait besoin d'une bonne branch. On a besoin d'essence. Qu'est-ce que tu nous proposes, toi? Coffee. Oh, coffee, ça pourrait être sympa. Pour éviter de boire de l'alcool, en fait. Tout le temps, et perdre de la stamina du wellness. On va fermer ça, on ne sait jamais. Coucou, monsieur. Time is money, and I wager you don't have any. Ok, alors je vends tout ça, et puis on se retrouve. Voilà, donc, je viens de vendre tout, vous savez, hein, parce que je vends toujours un à un pour monter notre skill de barter, et vous voyez, eh bien, il monte assez bien, puisqu'on est déjà... on est déjà barter, on est déjà level 34, franchement, c'est génial. Tradesman bonus, ah, dans la classe Tradesman, on aurait un bonus si jamais on le fait. Alors, Secret Stash, l'avantage, c'est que maintenant, on va pouvoir le prendre... Il manque plus grand chose pour avoir le 2, donc ça c'est super sympa. Ici. Non, maintenant on va aller voir. Oui, oui, c'est ça. Allez, qu'est-ce qu'il y aurait d'intéressant? Il nous faudrait une wrench. Et tu fais autre chose que de la déco? T'es sérieux? Non, mais on est jour 4, jour 3. Jour 3, on fait pas de la déco, pas encore du moins. Il a rien. Il a pas grand chose. Ça c'est ce que je lui ai vendu. Alors, Players in the Machine, non. Les flèches, non. Sledgehammer, bah, c'est dommage, hein, pas. Oh, Logger schématique, on n'en a pas. Oh, on pourrait se prendre le sniper. Avec toutes les armes qu'on a, est-ce qu'on a besoin de s'acheter un sniper? Je pense pas. Oh, une petite robe, vous savez, les petits robes bustiers. Non, c'est une armure. Mais en style, quelque part, elle peut être intéressante. Combien elle offre? 65. Ouais, prank 3000 éventuellement. Il n'y a pas grand chose d'autre qu'on pourrait acheter, hein, de toute façon. Qu'on regarde, Rocket Launcher, non, je vous entends déjà crier, prends Rocket Launcher! Non, j'ai bien envie de prendre l'Ogre schématique. Learn how to repair et assemble Ogre by reading this schema. Je pense que je pourrais pas la construire tout de suite. Vous savez quoi? On va l'acheter. C'est vraiment tellement broken en début de jeu qu'on va l'acheter. Et on va acheter l'armure. Oui, je sais bien. Je vais acheter une armure. C'est exceptionnel. Mais quelque part, sur ce jeu, on va devoir affronter pas mal de zombies et ce genre de choses. Donc autant partir un petit peu protégé. Sortir protégé les gens, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. On va read. Et on arrive au niveau 35, donc on est pas mal. On n'a pas d'essence. Combien d'essence il nous reste? On va voir. Attendez, vous savez quoi? On va rentrer à la maison. J'ai peut-être fait une bêtise là, de la faire démarrer et pas. On va la redéposer à la maison, hein. Voilà, hein. Espérons qu'elle aille jusque-là. Et puis, on va essayer de rentrer en ligne droite. Et puis, on se retrouve et on ira looter d'autres petits bâtiments. La maison est par là. On y va en ligne droite. 6%. On va y arriver. Alors, il y a un bâtiment aussi à la limite du biome vert qui avait l'air d'être super sympa. Au pire, il n'y a rien dans la mini-bike. Hein, donc, on la prend sur nous une fois qu'on arrive quelque part. On n'a plus rien dans notre inventaire non plus. Donc c'est pas bien grave. Il y avait le bâtiment là, en fait, aussi, qui avait l'air d'être super sympa et nouveau. Vous savez quoi? On va le faire, le bâtiment, là. 4% de batterie ou d'essence, on va y arriver. Regardez-moi ce bâtiment-là. Il est bien. Regardez tout ce qu'il y a devant. Ouais, on va aller le looter. Allez, on y va. Je voulais aller looter de l'autre côté de la ville. Bon, on va rester ici. J'aime pas ces bruits. C'est ennuyant, je trouve. La porte est unlock. Tu mets autant de protection et une porte unlock. C'est logique. C'est logique, moi, je dis. Hop. Non, non, c'est ça. Attends. Ah oui, au pied. Frappez toujours au bas du bloc. C'est comme pour réparer les spikes, au bas du bloc. Hop. Et il a mis des trucs derrière encore, regardez. Et on va tomber où, là? Il s'est barricadé, le mec. Vous pensez que les biomes brûlés, c'est des biomes qui sont apparus avec la maladie? Ou les gens ont vraiment décidé de mettre leur maison dans des biomes pareils? Ah, oh, il y a du monde. Prends ton clap. Voilà. C'est ce que je me demande. Les biomes brûlés ont toujours été là? Bon, les biomes déserts, je peux comprendre. Mais
Les biomes brûlés, les biomes de mort avec les mines et tout ça, c'est des biomes qui ont dû apparaître avec la maladie qui a contaminé tous ces gens-là, je pense. Question existentielle. Oui, je sais, question très très existentielle. Quelque part, attendez, on n'avait pas une quête qu'on devait faire, nous? La classe fighter, je suis désolée, j'ai... Arduy, Hunting Knife. On devait faire notre Hunting Knife. Oh, bah on va tuer au Hunting Knife, comme ça on le réparerait, on pourrait avancer dans la quête. Hop. Oui, on loot ici, on va tuer avec notre Hunting Knife, on rentrera à la base pour le réparer. Des petits champignons, on prend. De toute façon, on n'a pas grand-chose sur nous. Donc, autant charger vu qu'on va rentrer. Ça, les papiers comme ça, on prend. On pourra... Tu te fous de moi. Ok, ça va. Je vous entends rire déjà. Je vous entends, là. Je vous entends, mais rigoler. C'est pas grave. Au moins, comme ça, j'aurais eu... J'ai absolument rien à dire. Ah, mais absolument rien à dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Le hammer schématique, par contre, ça c'est super intéressant aussi. On le connaît déjà. Ah oui, d'accord, on le connaît déjà. Non, mais très bien, en fait, on va pouvoir retourner au trader, revendre tous les blueprints qu'on vient de trouver. C'est absolument nécessaire. J'adore ce jeu. Et c'est tout? Il n'y a que ça? Et la petite pièce là-bas? Oh, déception. Déception. Vu le bâtiment super joli comme ça dehors, je m'attendais à quelque chose de génial. En vrai? Si j'avais pas acheté le logger de schéma, j'aurais dit « Oh, cette maison, elle est géniale !» et tout. Et là, en fait, elle est nulle, cette maison. Voilà. Elle est nulle. Elle est nulle. Ouais. T'es nulle. T'es nulle. Oh, ok. Alors, j'étais en train, justement, de casser des voitures pour récupérer de l'essence. Parce que je me dis « C'est un peu bête d'y aller à pied et... » Et j'en perds mes mots. C'est un peu bête d'y aller à pied alors qu'on pourra avoir le coffre de la mini-bike pour nous aider. Je suis rentrée, il me restait juste un. Donc je me dis, bon, ben, c'est un peu dommage. Donc je me suis dit, on va aller casser des petites voitures avant de recommencer à Rec. Et je pense qu'on a fait quelques petites découvertes super intéressantes. On va essayer plutôt de casser toutes ces voitures-là. Pour récupérer, je pense que pour récupérer l'essence, c'est dans ces carcasses-là que ce sera le plus intéressant. Donc on va en récupérer, on en cassera sur le chemin s'il faut, on verra bien. Ok, donc on a 12% pour faire un petit tour de la ville, ça doit être suffisant. Au pire, de toute façon, on la laissera là-bas, on s'en servira d'un coffre, on ira looter et on la remplira quand on trouvera. C'est vraiment l'histoire de dire d'avoir un petit coffre sur patte avec nous, plus que de dire... Ouh, c'est nouveau ça comme bâtiment. Plus que se dire, elle va nous servir de trajet et de route. Alors ça, on le connaît, on l'avait utilisé dans la dernière, on pourra looter, c'était intéressant. Mais ce qui m'intéressait surtout, c'est ce bâtiment-là. C'est quoi? Tournez une fois, on va aller voir. Auto Workyard, ça on connaît pas. Et ça, on connaît pas. Bah écoutez, je crois qu'on a trouvé... Le bateau de pirate, il est pas complet en plus, c'est ça le pire. On ira vous le montrer. On va essayer de voir si on a de l'essence et on ira vous le montrer. Je vous propose de se dire qu'on a trouvé notre petit endroit de vie des prochaines heures, prochains jours peut-être. Je sais pas si on aura le temps de tout looter aujourd'hui, mais je pense que ça pourrait être sympa. Dwalls, oh, toi non plus on ne te connaît pas. Peut-être plus petit, il fait peut-être la peine. Oh, regardez-moi tout ça. Alors là, par contre, il faut pas un zombie qui pop là-dedans. Hein. Parce que ça peut faire des dégâts, mais monstres. Par contre, on a trouvé de l'essence. Hein. On a trouvé l'essence et tout ce qu'il nous faut. Alors, je propose qu'on s'en aille de là. Pour ne pas qu'il y ait de zombies qui passent. Et je m'amuserai à tout enlever, à tout démonter en dehors de vidéo. Là, alors par contre, pour rentrer... On est obligé de casser les portes. Bon, il nous faudrait une vraie si on veut démonter tout ça. Ouais, tout est locked. Avec des... Ouh ! Merci. Ouh ! Merci. Bon, on ira peut-être au bateau pirate. Hein. J'irai peut-être vous le montrer. Toi, viens ici. Porte arrière. Ne rentre pas par l'arrière des bâtiments comme ça. Oh, elle est fermée aussi. Oui, c'est qu'ils ont bien fait les trucs. Hein. Ouais, locked. Toi ? Oh, il y a une échelle.
Ah non, c'est pas une échelle, c'est du style. Mince. Lui, il fait dodo. La soirée fut trop arrosée hier, c'est ça? Ah, il faudrait que... Encore un bassin de gaz en face, mais lui, je crois qu'il a peut-être des pompes à essence, par contre. Voilà. On va l'utiliser, le couteau, un petit peu, pour dire d'enlever de la durabilité. Pas utiliser du forget iron pour rien, ce serait quand même un peu bête. C'est pas cher, du forget iron, au final. On peut vite en faire si on a une mine, et maintenant qu'on va peut-être avoir l'augure assez rapidement, on pourra, mais c'est un peu bête. Bon, alors, définitivement, il faut casser une des portes. Alors, allons-y. On va juste tuer le petit monsieur ici, pour dire d'être tranquille. Ouh, sanglier. Ouh, lui, on devrait probablement le ramasser aussi, lui. Hop, voilà. Est-ce qu'on a un arc? Oui, on a un arc. Ou arc que je pourrais certainement refabriquer, d'ailleurs. Allez, viens vers moi. Comme ça, j'ai ta tête. Voilà. Très bien. On va se vider, en fait, avant de rentrer dans le bâtiment. Parce qu'au final, juste à looter les zombies... Alors, qu'est-ce que j'aurais plus de chances de faire? Passer par la porte, par le mur ou les iron bars? Iron bar, certainement pas. 1200, certainement pas. On n'aura pas besoin de tout ça. Si toi, on va te garder. Hop, on enlève tout. Ce qui est dommage, c'est que on a les parts d'un et on a la blade de l'autre. C'est un petit peu dommage, mais bon. Alors, ça, c'est une iron bar. Ouais, c'est 1200, donc non. Toi, t'es combien de points? 1200 aussi. Non, très bien, on va partir là-dessus, hein. Hop, on y va. Voilà. Alors, on n'a pas de lumière. Je crois que j'ai eu une petite lumière ici. Attendez, on va aller prendre ça, ce sera plus agréable pour vous. Moi, je vois encore assez bien, mais vous ça risque d'être un peu sombre. On va passer comme ça me paraît bien, comme ça. Voilà. Un petit peu mieux, hein, pour vous quand même. Alors, dans tous ces cabinets, si on pouvait avoir une wrench, ça serait sympa. Ouais, à boire, au-dessus. Oh, du miel, nickel. On a justement, en plus, notre égratignure qui est passée en infection. En infection level 1, ça... Non, arrête de frapper tout. Ça nous donne à manger un tout petit peu, c'est nickel. Et du chocolat. Du chocolat. Franchement, les développeurs qui ont pensé les développeurs du mode, hein, je parle, qui ont pensé à mettre du chocolat là-dedans, c'est des génies. Génies. Shopping basket, on va toujours le prendre. Éventuellement, on peut le scraper, ça fera du plastique. De la peinture, nickel. Ouais. Bon, bah allons-y. Alors, pourquoi je suis aussi très contente d'avoir l'auger? C'est que je pense, pour ce let's play, en tout cas, ce let's play va durer pendant un moment. Parce qu'apparemment, le jeu vient d'avoir une mise à jour. Donc, il n'y a pas de raison qu'il ressorte une nouvelle version incessamment sous peu. Et donc, on va pouvoir construire une belle base. On va pouvoir essayer de faire quelque chose de sympa, mais j'aimerais m'enterrer. Pourquoi m'enterrer? Tout simplement parce que tout seul, c'est le plus facile. On fera une base de défense au-dessus de notre base, qui sera sous terre. Donc un peu à la, un peu comme celle qu'on a pour l'Alpha 16. On fera quelque chose de différent, hein, malgré tout. Vous savez que j'ai pas spécialement envie de faire toujours la même chose. Et ce sera plus facile parce qu'on attirera moins de zombies. On attirera moins de zombies si on est sous la terre que si on est en l'air. On fera pas tout, hein, on fera des forges et tout ça en bas. On verra bien. Mais en tout cas, j'ai envie qu'une partie de ma base soit sous terre, d'office. Et j'ai une petite idée pour le dessus. En fait, pour le dessus, j'aimerais avoir quatre petites bases, quatre bases différentes. Un peu comme vous voyez, on l'avait fait sur Ravenhearst, l'épaule comme ça autour de l'arbre. Eh bien, j'aimerais faire plus ou moins la même chose. Donc, on va essayer maintenant déjà de penser à ça. Pour avoir en fait quatre arbres. Et ce serait les tours des arbres seraient protégés par des pôles, comme on l'a sur Ravenhearst, en plus petit du coup. Ou pas, en fait on verra bien hein, si on a encore la folie des grandeurs ou pas. Et la base partirait des arbres. Alors, je pense qu'on ne pourra pas faire partir toute la base des arbres, faire une base en hauteur à partir des arbres. Je pense qu'il va falloir tricher et mettre à côté de l'arbre un poteau en concrete ou quelque chose dans le genre. On va essayer. À mon avis, on va avoir des soucis de maintien, donc on va être obligé. On essayera avec du bois, déjà pour commencer. Mais bon, quelque part, il nous faudrait autre chose. Quoique, au final,
Si, il nous faudra autre chose. J'allais dire, quoique, au final, on peut faire notre base au-dessus en bois, mais non, on peut pas la faire en bois, tout simplement parce qu'on va avoir des flics à partir d'un moment, incessamment sous peu, je pense, avec ce mode. Et... Donc ça, c'est la porte qui vient dehors, donc on va pouvoir monter les escaliers. Et du bois, ça va pas tenir. Et j'ai pas envie que le flic en pleine horde puisse faire tomber mes murs, faire me casser ma workbench ou me casser mes coffres, et parce qu'on n'y a pas spread, enfin parce qu'on a, on a été un peu lazy et ce genre de choses. Donc, nous allons voir ça. Meurs. Non, tu meurs. Ah, c'est une blague. J'avais dit que tu mourrais. Meurs. Voilà. Alors, on va y aller. Ce qu'on va faire, on va réparer ceci. Ce qui va nous permettre d'avoir notre... Ah mince, gather wheat. Ça c'est chiant par contre. Parce que je les ai eus en fait. Les wheat, je les avais la session passée dans mon inventaire. Et en fait, à chaque fois que tu recommences, si tu ne les as pas dans ton inventaire, à chaque fois qu'on démarre le jeu, si vous voulez, ils considèrent que ben, vous ne les avez pas ramassés. Ça c'est par contre, c'est ennuyant parce que ça veut dire que je peux pas avancer dans ma quête. Oh, sympa. Sympa tous ces loot là par contre. Une petite wrench ? Non. Wrench ? Non. Wrench ? Non. Bon, et donc en fait, ce qui permettrait par rapport à ces quatre piliers, d'avoir deux piliers qui nous permettent de monter avec un ascenseur, donc un ascenseur qui nous permet de monter au niveau 1, hein, par exemple au niveau du sol, et un ascenseur qui nous permet de monter au niveau... Mais par contre, toutes ces cabinets, là, ça vaut la peine. Hein. Faut vraiment looter dans des modes comme ça, faut vraiment looter les bâtiments spéciaux. C'est vraiment ceux qui sont les plus rentables, parce qu'ils ont vraiment mais blindés de loot. Et donc, 4 piliers, ça faut dire aussi 4 ascenseurs, 2 ascenseurs qui montent, hein, voilà, et 2 qui nous permettent de descendre. Et donc, ceux qui nous permettent de descendre, ben, ils nous permettront de descendre soit au niveau sol, soit au niveau forge en bas. Et alors, les 2 autres, ben, un qui nous permet de monter... Avec le problème des ascenseurs à trappe de CMD, c'est qu'on peut pas se dire, tiens, je veux m'arrêter à tel niveau. Hein, il faut monter jusqu'où il y a des hatchets et points. Et quoique, attendez, on ne saura pas de toute façon, mais elevator... Non, il n'y a pas d'elevator sur ce mode-ci. Il y en a sur Ravenhearth, mais pas sur celui-ci. Bon, il faut être level 120 hein, pour pouvoir les utiliser, donc c'est pas tout de suite. Enfin, quoique, on est déjà 15, jour 3. Ça va quand même vite hein, sur War of the Walker. C'est pas du tout Ravenhearth. Donc voilà, plus ou moins les grosses idées de la base. Si vous avez des idées qu'on pourrait rajouter, si ça vous dit, ou alors si vous dites non, ça ne nous dit pas, faites tout à fait autre chose, eh ben, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, à me le dire dans les commentaires, et on appliquera ça. On va tout doucement commencer à chercher à un endroit. Pourquoi ? On va pas faire la première horde, à mon avis, même pas la deuxième dans cette base-là, parce que ça nous prendra du temps. Mais il va falloir commencer à penser à trouver l'emplacement pour pouvoir faire pousser les arbres. Parce qu'on va pas pouvoir, il va falloir que les arbres soient à des distances bien définies. Et donc, à mon avis, c'est des arbres qu'on va devoir faire pousser nous-mêmes. Et les arbres, ça pousse pas en 3 jours, en 2, en 1 jour sur ce mode. Viens ici. Viens. Oh, il y a un sanglier encore dehors. Hein ? Il y a un sanglier dehors. Oh, les bouquins qu'il y a. Les bouquins. Il y a encore un étage, c'est ça? Et le laser. Oh, le laser de malade. Bon, allez, on va looter tout ça. Hop, F, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hunting knife. Ah, c'est dommage, on le connaît déjà. Tu le prends quand même, hein. Ouais, tu le prends quand même. Ouais, ça peut être utile. Ça... Ok. Et là, on va avoir de l'augure. Oh punaise, mais c'est pas possible! Ce jeu me troll. Je le savais. Et là, on va encore en recevoir 2, vous allez voir. Oh, mais donnez-moi quelque chose que je n'ai pas. Voilà, ça, par exemple. C'est bien, on a une... Ah, si, on connaît. Mince. Donnez-moi un truc que je n'ai pas. Pistole, on le connaît? On le connaît. Ok, très bien. Ouais. Toi, on t'a tué, toi? Toi, on t'a tué? Toi, là. Où est-ce qu'il est, mon couteau? Toi, là. On t'avait pas tué, hein? Non, on t'avait pas tué. Ah, ben si, on t'a tué. Mais voilà. Voilà qui est fait. Ah. Alors, ici. Qu'est-ce que tu vas nous donner? Ogre? Jenso? Non?
Ouais, ok, très bien. Je crois même en plus qu'on l'a. C'est génial. Ah, ah, ah. On entend un petit... Oh. Oh. Ah, enfin, un truc sympa. On n'a pas entendu un petit zombie. On n'a pas entendu un petit zombie courir, sauter. Okay. Celles-là, je les aime bien, ces balles-là. Parce que c'est les balles du Remington, ça. Celles-ci, je pense que c'est les balles du Remington, les 32 mm. Mais on les connaît déjà. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne connaît pas? Je peux pas le lire. Je peux pas. On n'est pas encore assez haut level, en fait, dans ce skill-là pour... Ok, ça, on le connaît, on vient de le lire. Ça, on va le read. On en aura besoin, ça, de fils, on l'a, puisqu'on vient de le lire. Et ça, on l'a. En fait, c'est vraiment pas... Vraiment pas super intéressant, quoi. Par contre, tout ce qu'on a là, on va pouvoir aller le revendre directement, quoi. C'est sympa. Ah ! On descend. Qu'est-ce qui se fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On fait encore un petit épisode, un petit étage. Oui. Allez, on va finir le petit étage ici. Stairs. Oh, il y a encore deux étages en plus. Allez, let's go. Vous avez été sage ? Oui. Oui, je vous ai pas entendu là. Vous avez été sage ? Alors, on va continuer encore un petit peu. Unknown, vas-y. Untouched, vas-y. Une petite wrench. J'aimerais bien, en fait, tu me donnes toutes les crapes et tous les trucs du monde, très bien. Mais je voudrais juste une petite wrench. Plus que level 5. Et si tu me donnes une level 6, je rage-quitte et l'épisode, il est terminé aujourd'hui. Hein. Je te préviens, le jeu. Je te préviens, le jeu. J'aimerais bien aller au trader juste pour ça, pour aller rechercher une... Il y a une échelle, là ? Ah non, c'est les... Juste voir s'il a pas une belle wrench. Allez. Allez. Vous allez voir, en fait, qu'on va avoir une wrench level 6. Ou juste parce que pour le jeu me troller et me dire « Non, non, t'auras pas une level 6, il va me donner une 7. Ouais, » vous allez voir. Vous allez voir. On a combien en scavenging ? Scavenging, 20. On peut pas mettre un quality, Joe. Quality, on a 42 points. Vas-y, mets-le. On va mettre un petit quality, Joe, en plus. Pour un bâtiment pareil, ça vaut peut-être la peine de le faire. Ok, donc tout ça est fait. Il y a du monde en haut. Par contre, on va faire attention. Parce que j'ai mon club qui va bientôt me casser. Oh, ah. Bon, ça, c'est déjà un petit peu mieux. Ces papiers de classe sont vraiment super intéressants. Ok. C'est une horde qui veut rentrer ou c'est une horde à l'intérieur, ça Je devrais garder mon club pour les zombies un peu plus résistants. Je crois qu'il y a une horde qui veut rentrer, là. Vous savez quoi, on s'en fout du bâtiment, hein. Nous, on continue notre vie. On a de toute façon une voie de sortie, une voie de rentrée. On y va. On y va. On y va. Wrench, s'il te plaît. Je veux ma wrench. Je ne serai défaite de mon objectif que quand j'aurai une wrench. Vous voulez me voir looter ? Vous voulez me voir tuer la horde ? C'est quand j'aurai ma wrench. Vas-y. À combien sont vous là ? Ouais, j'en entends 3-4 hein, quand même. Ah, peut-être 5. J'essaie d'écouter les bruits un peu particuliers, les bruits différents. Bon, Quality Joe n'a pas vraiment aidé des masses. Hein. Voilà, je crois qu'ils sont rentrés. Je crois qu'ils ont cassé un mur. N'oubliez pas casser le mur avant que je casse la porte et que je vais le faire moi. Oh, alors attendez. Vitamine, use. Ils sont pas en train de monter dans les escaliers là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, mais vous êtes pas tant que ça ! Vous êtes que 3 ! Mais en même temps, ils sont que 3 ici. Je crois qu'il y en a 2 dehors. Hein. On va faire ça. Bon, on va d'abord aller s'occuper de ceux qui sont dehors. On a une belle arme. On va s'aider. Ah oui ! Ben 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, j'avais raison. 5. Voilà. Le skill in Athletics. Hein ? Athletics ? Pourquoi Athletics ? Je suis là, les gens. Arrêtez de vous énerver contre le bâtiment. Non, non, non. Voilà. On va la faire au couteau. Elle est pas difficile. Les mots, on va plutôt les faire. Alors, toi, je sais pas si t'es difficile ou pas. Ah non, ils étaient 6. Oh non, ils sont plus que ça. Ah oui, non, vous êtes plus. Vous avez ramené la famille. Alors, excuse-moi. Ah, non, 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 non. Non, 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 pas touché. Pas touché, pas touché, pas touché. Madame. Alors, toi. Le problème, c'est que
J'attends le dernier moment quand ils sont vraiment sur moi pour les tuer, pour tirer, parce que moi comme ça, la tête prend tout l'écran et on a difficile à rater. Le problème c'est que si tu rates, malgré tout, parce que apparemment vous voyez ça arrive, et ben si tu rates malgré tout, ils sont fort prêts et t'as un petit peu du mal à... Tu voilà. Ah ! Tu fais une bêtise ! Ouais, alors là, ne jamais faire ça les gens, ne jamais mettre un panier dans un... Bon, de toute façon, ils sont tranquilles. Attendez, je règle tout ça et puis je vous reprends. Voilà, on s'est vidé notre inventaire. On va pouvoir les looter et s'occuper d'eux. Alors, je sais pas pourquoi ils ont frise comme ça. Ils sont endormis, le soleil va se coucher ou qu'est-ce qui se passe? Allô? Ah, ouais, il me semble bien aussi que c'était pas normal. Hop là. Hop là. En plus, on a repris notre stamina. C'est nickel. Hop, voilà, meurs. Toi, tu meurs. Et toi aussi, d'ailleurs. Voilà, on va les looter. Tant qu'à faire, autant ne pas perdre de petites économies. On va garder tout ça, tout ça. Alors ici, oui, oh, ça me plaît bien. Du petit lit, pourquoi pas. 19h30, on est... Attends, ramasse. On a de la place, donc autant ramasser tout. Qu'est-ce qu'elle a? Et la chaux, qu'est-ce que t'as sur toi? T'as rien sur toi, ma grande. Calme-toi. Il y en avait 3 ici à l'intérieur. Ils sont décédés, partis, montés. Je sais pas. Bon, on va voir. Allez, on va finir de looter tout ça. Hop. Au moins l'étage ici. Il nous avait un petit peu dérangé, on doit dire. Hop. Alors, ici, on avait fini. Ici... On avait fini. Ici, c'était fini. Alors, ici, ça, c'était fait. Chipping basket. Qu'est-ce que personne... Ouais, ok, la personne n'a pas acheté grand chose. Toi non plus. Oh, il y a un truc ici, un passage. Ah, des escaliers pour monter. Oh, toi, coucou. Coucou, toi. Attends. Je sais que t'as un problème de crâne, hein. On va régler ça. Hop, voilà. On fait ça. Et ici... Voilà. Alors, où est-ce que on va aller monter à l'étage maintenant? Hop, désolé, c'est le téléphone qui sonne. Il est sous vibreur, mais je crois que ça va peut-être s'entendre un petit peu chez vous, donc j'en suis désolée. Women's restroom. Vault. Ouh. Men's restroom. Vault. Très bien. Et ici, c'est quoi? C'est... Je crois que c'est les magasins, c'est les bureaux des personnes qui s'occupent du magasin. Ah, pardon? Pardon? Comment ça? Qu'est-ce que tu racontes? Mais t'as mal à la tête. Oui, voilà. On dit bonjour d'abord. Non mais toi tu t'es pas réveillé, tu dois dormir. Waouh! Oh la pirouette! Coucou! Voilà! On va y arriver. Vite avant la nuit, s'il vous plaît. Ou arrêtez de me faire perdre du temps. Alors toi, non, toi non. Ouais, tout ça on ramassera plus tard. Woman, men. Alors je veux juste les looter, c'est pour avoir une wrench quand même. C'est quoi ce truc? Non, pas cooking pot, wrench. Pas de vitre? Ah si. Elle est assez haute hein, la vitre là. Si t'espères que les gens puissent... Dodo? Ok. S'ils espèrent que les gens puissent... Lock, ouais, comme par hasard. Puis se regarder et se maquiller chez les femmes, si elle est aussi haute. Oui, d'accord, t'es aussi haute. S'ils espèrent que les femmes puissent se maquiller en se regardant dans ce truc-là, eh ben, ils ont rien compris, hein, les messieurs-dames. Mais rien compris. Alors, on va looter les toilettes. Ouais. Bon, bah écoutez, les gens, ce que je vous propose, c'est qu'on se laisse là-dessus. J'ai looté la toilette ici? Non, j'ai pas looté la toilette. Eh bien, écoutez, les gens, ce que je vous propose, c'est qu'on se laisse là-dessus aujourd'hui. Il est 20h, donc je vais récupérer vite les petits sofas. Et on va prendre la direction de la maison. On reviendra ici lorsqu'on aura les lockpicks. De toute façon, il y a les 1200 à casser. Ça va être un petit peu plus compliqué. Ou alors, attendez. Est-ce que... Combien de suites points, toi? Voilà, on sait pas où on va passer. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.
Alors, juste pour finir l'épisode, j'ai pas résisté. J'ai fait le chemin. Vous entendez, c'est encore Bagdad ici. Dans ce coin-ci, c'est Bagdad. J'ai fait le chemin jusqu'au trader pour voir s'il n'avait pas une petite wrench pour moi. Parce que j'aimerais vraiment bien pour pouvoir avoir une avancée, une petite wrench, ce serait sympa. Et en fait, il a rien, mais. Oh. Oh. Oh, il a quelque chose de super intéressant. Oh, Tungsten Crossbow schématique. Oh, wrench 58. Nya 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 nya. Bon, si on lui vend tout ça vite fait, combien on peut se faire? Bon, on va lui vendre, on les retrouvera. Je voudrais pas, en fait. Je sais pas s'il fallait que je vende ça. Ouais, c'est pas grave. Allez, on s'en fout. Voilà. J'aurais pas assez hein, pour le club. Et en fait, il restack demain. Donc, le club, c'est aujourd'hui, c'est maintenant là tout de suite ou pas? Parce que vu l'heure, on pourra pas l'avoir. Bon, combien il est? Combien il est? Si, on peut! Bye! Oh, ben nickel! Oh, ben voilà, point de vue arme, on est bien. Et je pense qu'on a peut-être même assez pour faire la wrench. Et ben voilà! C'est pas une très très grosse wrench, mais au moins elle va nous laisser le temps de ne pas être bloqué et commencer à récupérer les mini canicule parts. Je vous rappelle, il en faut 150 pour la prochaine quête. Ce serait déjà pas mal.